En 1957, il retrouve la France qu'il n'a pas revue depuis 17 ans. Il retrouve la France à la faveur d'un cadeau qui lui a été fait, puisque des admirateurs américains lui ont offert une maison à côté d'Hyères, dans la presqu'île de Gien, où il va désormais passer une partie de l'année, à peu près 6 mois par an, avec sa femme d'ailleurs, car en 58 il s'est marié aux États-Unis. Dans ce paysage méditerranéen auquel au début il aura un peu de mal à s'intégrer, et puis qu'il finira par aimer véritablement. Et c'est dans cette maison des Vigneaux que, sur la fin de sa vie, il s'installa définitivement, et c'est là qu'il terminera ses jours. Poète, homme d'absence et de présence, homme de refus et d'affluence, poète né pour tous et de tous accroissant, sans s'aliéner jamais. Il est fait d'unité et de pluralité. Par grands lambeaux d'humanité s'opère en lui ce déchirement d'un seul, en proie à l'épopée de tous. Levé de tous dans l'œuvre et de l'œuvre dans tous. Des marches de l'exil, il gère une solitude plus peuplée qu'aucune terre d'empire.